Est-ce que la réalité virtuelle, notamment au moment de l'entraînement, est l'avenir du sportif? Est-ce qu'elle permet d'augmenter les performances ou pas? Est-ce qu'elle permet de faire varier la perception de la douleur ou encore de l'effort? Lionel Reveret, chercheur à l'INRIA, va nous rejoindre. Lionel Reveret, accompagné d'Antoine Maurice, psychologue expérimental au CNRS, et Franck Multon, directeur de recherche à l'INRIA, membre d'une équipe commune avec un laboratoire en STAPS du côté de Rennes. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous pour évoquer cette réalité virtuelle. Est-ce qu'elle est l'avenir ou pas du sportif? Est-ce que de plus en plus on va s'entraîner avec elle et grâce à elle? On va commencer avec vous, Lionel, chercheur à l'INRIA, je l'ai dit. Vous travaillez sur l'analyse du mouvement avec plusieurs équipes de sportifs de haut niveau et notamment avec le pôle France d'escalade de Voiron. Vous le savez, l'escalade devient un sport olympique. Donc il faut un peu plus d'expertise et donc de technologie aujourd'hui. En quoi consistent vos recherches avec l'escalade justement? Alors, les recherches qu'on mène avec l'équipe de France d'escalade, c'est sur l'analyse de mouvement et en particulier donc l'analyse de mouvement sur le terrain. On cherche avant tout à développer des technologies qui puissent être utilisées au jour le jour par les entraîneurs de manière automatique et le plus simplement possible. Donc, on va travailler essentiellement à partir de la vidéo, donc essayer d'extraire de l'analyse et des informations à partir de la vidéo. On a quelques images là aussi pour illustrer vos propos. Allez-y, continuez. Mais et donc, comment la on va vidéo, voir parce en, que, effectivement, en vrai c'est... Alors voilà, donc là, vous avez Anouk Jobert qui est championne du monde. Qui est, donc... C'est pas en accéléré, hein. Elle fait de l'escalade de vitesse. Ouais, c'est ouais. Vraiment comme ça qu'elle grimpe. Et donc, le but, c'est de faire donc, cette analyse à partir de la vidéo. Alors, il faut savoir que la vidéo est très utilisée dans le sport de haut niveau, mais de manière subjective, c'est-à-dire que l'entraîneur filme, mais après, il y a une relecture simple de la vidéo. Ce qu'on essaye ici, c'est directement à partir de la vidéo d'extraire des paramètres objectifs et qu'on aille au-delà de l'interprétation subjective de la vidéo. Donc là, on le voit, on a un modèle en 3D, on a différents angles. Qu'est-ce qu'on en tire de ça, après, d'une vidéo comme celle-ci? Alors, parce que moi, j'ai juste vu qu'elle montait hyper vite, mais vous avez vu autre chose. Voilà, exactement. Donc, vous avez vu un modèle. Donc, plutôt que de réalité virtuelle, en fait, on va plutôt parler de réalité augmentée avec une information qu'on va rajouter par-dessus la vidéo existante. Donc là, vous avez vu un modèle 3D. Comme on n'a pas de marqueur, comme on n'a pas d'informations a priori sur la vidéo, on va la rajouter à travers ce modèle qu'on développe hors entraînement, en laboratoire. Donc on va développer un avatar 3D de l'athlète avec ses contraintes et ses articulations biomécaniques, son apparence géométrique et le travail ensuite pendant l'entraînement, ça va être d'aligner l'apparence de la vidéo avec l'apparence du modèle 3D. Et à travers ce modèle 3D, on va faire un encodage objectif des paramètres articulaires et des paramètres de mouvement de l'athlète. Donc là, on en parlait un petit peu en début d'après-midi. Pour ceux qui étaient déjà avec nous, on fait du cas par cas, hein, vraiment. C'est athlète par athlète. Tout à fait. Donc c'est exactement ce que nous permet le sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'on sait exactement qui, avec qui on va travailler. Donc c'est pas en fait des activités de surveillance comme on peut avoir en vision. Là, c'est vraiment de l'analyse spécifique. Et donc, comme on sait avec quel athlète on va travailler, bah, effectivement, on développe des modèles spécifiques pour l'athlète. Franck Multon, vous êtes à Rennes, vous êtes membre d'une équipe commune avec un laboratoire en STAPS. On a parlé de réalité augmentée. Vous utilisez directement la réalité virtuelle. Comment ? Oui, effectivement, on utilise la réalité virtuelle dans le but d'essayer de comprendre en fait quelles performances sont effectuées par l'athlète, de comprendre aussi pourquoi il y a des non-performances de temps en temps, parce que la réalité virtuelle va permettre de standardiser les situations, de reproduire des situations de manière très fine et de tricher un peu avec les situations pour pouvoir voir s'il est sensible à tel ou tel paramètre. Alors on l'utilise par exemple pour trois choses. La première chose, c'est par exemple dans les duels. Donc on va pouvoir travailler sur la simulation d'un des opposants et voir comment la personne anticipe en fait l'attaque de l'opposant. Deuxième chose, c'est de vérifier... Donc, par exemple, au rugby, attaquant-défenseur. Tout à fait. C'est-à-dire que gardien de but au handball avec un attaquant aussi. Voilà, donc on a un attaquant avec un ballon qui va faire des feintes de corps, essayer de passer à gauche, à droite. Et puis le défenseur, son rôle, c'est de l'intercepter en anticipant la direction finale. Et donc on vient travailler sur quels critères, quels paramètres sont importants pour détecter à l'avance qui va finalement aller à gauche ou à droite. Et ça, on le fait en réalité virtuelle parce qu'on contrôle tout, en fait. On contrôle tous les éléments.
Et donc, le deuxième chose, c'est de s'assurer que la technologie ne perturbe pas la façon dont le geste est fait. Donc, ça, c'est important. Et la troisième chose, c'est de s'assurer que ce qui est appris en réalité virtuelle est transférable sur le terrain et qu'on n'est pas simplement en train de jouer à la Wii et qu'on est super bon au tennis à la Wii, mais qu'à la fin, on a transféré ça sur le terrain. À la fin, on sera bon aussi, pas que avec une manette en main. Antoine Maurice, vous êtes au CNRS, vous travaillez au CNRS, psychologue expérimental. Qu'est-ce que vous analysez, vous ? En fait, mon expertise, elle est liée à la détection des informations visuelles qui sont utilisées par les sportifs. Donc, j'utilise la réalité virtuelle pour manipuler l'optique, les informations visuelles qui sont disponibles dans chaque sport. Donc, ça, c'est la partie stimulus. J'utilise la capture de mouvement pour étudier leur réponse comportementale. Donc, la capture de mouvement, c'est bien un composant essentiel de la réalité virtuelle, ce qui est utile. Et au final, ça me permet de modéliser le poids de chacune des informations visuelles dans la performance du sportif. Et du coup, ça me permet de détecter leur sensibilité à certaines informations. Donc on part du principe qu'il y a des informations, il y a des circuits qui relient l'information au mouvement qui sont entraînables. Et donc on peut être capable de détecter la sensibilité des athlètes, on peut être capable de détecter leurs besoins informationnels pour une performance experte, et puis à terme, on peut créer des programmes d'entraînement en réalité virtuelle en les permettant de se diriger vers des informations pertinentes, ou alors d'utiliser la réalité augmentée pour créer des systèmes de guidance pour la performance. Un exemple précis, le basket notamment, le lancer au basket, vous travaillez dessus, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous améliorez ? Alors, peut-être une vidéo qui peut être... Je ne suis pas sûre. Qui peut être je crois qu'on ne l'a pas dans la machine. Cette... Ou alors si on l'a, oh, magnifique. Il n'y a peut-être pas besoin du son. Mais... Donc dans le simulateur de basket, en fait, dans un premier temps, je me suis attaché au réalisme du simulateur parce que j'avais besoin que des sportifs experts adhèrent au réalisme du simulateur et des gestes qui soient naturels. On avait besoin de faire en sorte que leurs performances soient les mêmes dans le simulateur que dans la réalité. Et puis en faisant une analyse perceptive, on est capable d'identifier dans la scène quelles informations sont utiles pour réguler le geste. On est capable de détecter quelles informations sont utilisées par le sportif pour prélever la distance. Là, on le voit bouger parce qu'il y a des informations qui sont relatives au mouvement qui permettent de percevoir la distance. Et puis ensuite, on crée des aides pour aider les novices pour qu'ils aient un apprentissage perceptif qui soit plus rapide que s'ils étaient sur le terrain. Donc ici, on voit le simulateur fonctionner. Donc on a un réalisme dans la trajectoire de la balle. Donc là, elle travaille quoi ? Son shoot, clairement ? Alors, elle est équipée d'un système de capture du mouvement qui lui permet d'avoir une interaction naturelle avec la scène. Et en fait, on travaille... ce qu'il y a dans la scène visuelle, donc on peut voir qu'il y a des fois des manipulations en ligne. Là, on lui donne un feedback sur sa performance. La trajectoire en vert, c'est une trajectoire optimale. Donc ça, c'est donné par la littérature. Et elle peut comparer ses performances avec des données optimales pour essayer de converger vers la meilleure trajectoire possible. Une fois que vous obtenez des résultats de tout ça, ils sont destinés à qui ? Aux entraîneurs principalement ? Parce que est-ce qu'on est tous capables de comprendre ce qu'il en sort ? Alors, les entraîneurs, les sportifs de haut niveau, quand ils utilisent ces dispositifs, déjà, ils ont accès à des matériels et des analyses auxquels ils n'ont pas accès d'habitude. Donc, on est capable de quantifier les erreurs par rapport au panier, à droite, à gauche. On est capable de quantifier aussi leur synergie intersegmentaire, donc savoir de combien le genou, de combien le fouetté de la main participe à la performance. Et puis aussi, comme on a une base de données qui s'incrémente au fur et à mesure des passations expérimentales, on peut comparer leurs données, soit à des données de la littérature optimale, théorique, soit une base de données avec des joueurs de différents niveaux d'expertise. Pour vous, c'est pareil, Antoine Maurice, comment les sportifs ils interprètent vos résultats ? Non, si, on en a déjà parlé, pardon, je croyais qu'on allait, le discuter avec vous. Pardon. Les retours, oui, sur ces données, pardon, j'y reviens. Avec vous, là-bas, Lionel. Ça commence à être la fin de journée, il ne faut pas m'en vouloir. Les retours sur ces données, est-ce que les entraîneurs les ont et ils modifient instantanément finalement leur façon d'entraîner, leurs conseils et leur entraînement directement ? Alors, en fait, c'est surtout des outils de mesure. Donc, on a surtout un rôle en fait, d'apporter des données. On ne donne pas d'interprétation en fait, sur les données. Ça reste l'entraîneur qui est le pilote du projet d'entraînement. Non, ce qu'on va donc délivrer effectivement à l'entraîneur, c'est ses courbes. Et donc, d'expérience, il va pouvoir juger la régularité d'un athlète par rapport aux courbes. Donc là, on parlait donc, de mouvement, mais ça peut être donc, des courbes sur l'angulation du coude, pour donner un exemple, et puis voilà, et donc il va pouvoir
voire sur certains passages, par comparaison avec d'autres enregistrements. Ça se fait sur combien de temps ces mesures-là? La mesure, en fait, elle est sur le moment, quoi. Elle doit faire... Mais pour avoir des points de comparaison, vous analysez, je ne sais pas, 3 entraînements, 5 entraînements, 2 semaines... Ah non, oui, ça peut être sur toute la saison, oui, oui, par rapport à... Effectivement, c'est où en est l'athlète sur sa saison et par rapport au chrono qu'il va faire, est-ce que là, c'était un bon temps et est-ce que sur ce passage-là, on voit dans la courbe qu'il y a eu effectivement une accélération, là, une perte de vitesse et le retour à l'entraîneur se fait comme ça. Après, c'est lui qui décide... sur l'entraînement, quelles répercussions ça peut avoir. Tout à l'heure, on a parlé de blessures, de prévention de blessures. Est-ce que c'est des données que vous pouvez fournir aux entraîneurs sur ce point-là aussi? Alors là aussi, on ne se permettrait pas d'avoir une interprétation directe de nos résultats par rapport à la détection de blessures, mais très certainement, effectivement, et comme il avait été évoqué donc à la table ronde comme, sur ce sujet, sur des études au long cours, sur des études sur une grande période, effectivement, ça peut être le type de données qui rentrent dans les études statistiques pour effectivement détecter s'il y a un risque de blessure ou pas. Franck Multon, est-ce que vos travaux s'intéressent aussi à la gestion de l'effort et à la façon de le gérer un peu mieux? Est-ce qu'avec vos travaux, on arrive à accroître peut-être l'endurance? On a des résultats préliminaires pour l'instant, donc je vais être prudent sur les résultats. Mais des premières expérimentations montrent que quelqu'un qui court par exemple sur tapis roulant à 10 km/h avec un casque de réalité virtuelle où on lui montre un flux optique, c'est-à-dire en gros comme s'il courait sur la route à 10 km/h, et qu'à un moment donné on change ce flux optique, on le fait courir par exemple légèrement moins, enfin lui il change pas sa vitesse de course, mais visuellement il a l'illusion de courir moins vite. On voit en fait la fréquence cardiaque qui augmente, on voit la consommation d'oxygène qui augmente, et lui dit mais vous avez mis une pente sur le tapis roulant parce que c'est plus difficile, alors qu'en fait on n'a absolument rien changé sur les paramètres physiques. Et inversement, si on augmente la vitesse de visuel de défilement, il va ressentir une sorte de libération, il va se sentir mieux et la fréquence cardiaque rediminue. Donc ça montre qu'il y a possibilité avec la réalité virtuelle d'influencer aussi dans une certaine mesure, on ne va pas révolutionner l'endurance, mais ça permet de jouer sur quelques petits paramètres de pénibilité et d'effort. Alors il y a deux exemples qui montrent que vous mettez déjà en pratique tous ces résultats. Vous travaillez avec la Ligue irlandaise de rugby et une université du côté de Belfast. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux et avec quels résultats? Donc on a travaillé il y a maintenant presque 10 ans avec le Queen's University Belfast et Ulster Rugby, dans lequel on a mis en place en fait cette interaction entre l'attaquant de rugby avec le ballon qui fait des feintes de corps et le défenseur. Et l'objectif, c'était d'utiliser la réalité virtuelle pour avoir des données très standardisées, faire des statistiques, et pouvoir avoir le profil en fait de capacité d'anticipation du défenseur. Et ils l'ont fait passer en routine pendant plusieurs années pour pouvoir effectivement avoir ce profil, le comparer d'un joueur à l'autre et voir les marges de progrès qu'ils pouvaient avoir en termes d'anticipation de la défense. Et ça, c'est des travaux dans le monde du rugby qui continuent? Alors on continue à travailler. Alors après, sur le rugby, pour l'instant, on est passé un petit peu à d'autres domaines. Puis on est sollicité beaucoup par plein de fédérations. On a le volley, on a l'escrime, etc. Donc on a du mal à être partout. Mais on continue à explorer ces pistes-là, oui. Un autre exemple, on va le découvrir aussi en images, vous travaillez avec les gardiens de but de football, avec là des retours très positifs du côté du Stade Rennais notamment, d'où vous venez, avec Benoît Costil qui s'est prêté au jeu. Alors qu'est-ce que vous avez fait avec cette discipline? Là, la question en fait, c'était d'entraîner les gardiens de but dans la situation spécifique du coup franc, dans lequel on place un mur avec des personnes dans le mur. Et une des questions qu'on se pose, c'est en fonction de la position du joueur et du type de frappe qu'il a en général, où positionner de manière la plus efficace le mur, avec combien de joueurs dans le mur. Et en fait, on travaille en interactif où le gardien vient et interactivement vient modifier le mur. Il subit un certain nombre de tirs. Et l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on va pouvoir lui soumettre exactement les mêmes tirs avec juste le mur qui change et vérifier quelle est la configuration la plus optimale pour lui. Et de la même manière, on a travaillé aussi sur un protocole assez standard en neurosciences, qui est le multi-target objective, dans lequel on va lui apprendre à focaliser son attention sur le centre de la scène, de ne pas suivre obligatoirement le ballon, et d'avoir dans sa vision périphérique, d'être capable de suivre quand même ce qui se passe au niveau des joueurs adversaires pour anticiper une future passe mal placée. Et donc ça, sur les gardiens, notamment Benoît Costil, même s'il n'est plus du côté du Stade Rennais, ça a fonctionné? Les retours sont très bons? Il y a eu de très très bons retours, parce qu'au début, en fait, on avait
un essai comme ça, et puis l'entraîneur a décidé de vraiment pérenniser l'action. Et là, régulièrement, 3-4 fois par an, ils viennent s'entraîner et suivre ce protocole dans notre salle immersive. Et ça montre vraiment leur intérêt. Ils ont senti une différence dans la façon de prendre de l'information sur le terrain. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont gagné l'an dernier, mais on peut se faire plaisir et y croire. Pourquoi pas? On parle beaucoup des gestes et de l'aspect physique, technique, mécanique. Est-ce que la réalité virtuelle, elle aide aussi dans la tête? Alors, on peut effectivement se préparer à des conditions de compétition qu'on ne rencontre pas lorsqu'on s'entraîne. On a été sollicité, par exemple, par des fédérations de tir ou de tir à l'arc qui nous posaient la question. Nous, on s'entraîne sur un pas de tir qui est hyper aseptisé en salle d'entraînement. On arrive dans les JO, il y a du monde, on tire 20 secondes après le prédécesseur, mais si le prédécesseur a marqué, il y a des applaudissements, il y a des holas, et c'est à ce moment-là qu'on doit tirer. Ils sont très perturbés par ça. Et donc l'idée, c'est de les préparer en réalité virtuelle aux futures conditions de compétition pour qu'ils aient l'habitude de subir ce type de stress. Ouais, on recrée le véritable environnement. Antoine Maurice, dans vos recherches aussi, vous allez au-delà du mouvement et de la mécanique pure? Oui, alors on va au-delà de l'expertise dans le prélèvement de l'information, au-delà de la gestion du mouvement, quel angle il faut propulser la balle, quelle vitesse, quelle hauteur, parce que la réalité virtuelle, elle permet d'avoir une analyse qui est pluridisciplinaire. On voit dans les littératures émerger un certain nombre de travaux qui arrive à mettre les athlètes en situation de compétition. Donc, on arrive à générer des climats compétitifs en mettant par exemple des avatars d'adversaires, des équipages virtuels contre qui on combat. Et moi, je travaille actuellement avec un collègue qui est psychologue social. Et on s'intéresse au rôle de la pression sociale au basket. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met les athlètes dans un climat compétitif en les mettant en compétition pour générer du stress. Et en fait, on manipule le rôle d'un entraîneur virtuel sur la performance des joueurs. Donc on a un coach virtuel qui peut réagir positivement ou négativement. Un coach qui crie partout, qui saute dans tous les sens là. Ou qui est heureux même si la performance est variable ou très peu précise. Et en fait, on étudie les réactions des athlètes et leur dépendance en fait à cette pression sociale. Et on observe deux types de stratégies. Donc il y a des joueurs qui s'effondrent par un manque de soutien social, et puis il y a des joueurs qui ont un ego que ça transcende, qui prend un coup de boost, qui effectivement ont leur performance qui se transcende un petit peu. Franck Multeau, je voudrais qu'on évoque juste les sportifs non valides. On a évoqué un petit peu lors de la table ronde précédente. Est-ce qu'il y a des recherches pour utiliser la réalité virtuelle pour eux aussi? Alors, dans le domaine général, je dirais de la rééducation ou du handicap, la réalité virtuelle est beaucoup utilisée sous le terme, souvent on trouve, de serious games. L'idée, c'est de gamifier en fait les actes de rééducation et de rendre ça plus motivant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est communément admis maintenant. La réalité virtuelle et le jeu, le serious game, permet de motiver les gens, de multiplier les expériences. Et on a des exemples où des sujets hémiplégiques, par exemple, qui devaient monter le bras sur le côté, nous disaient « j'y arrive pas, je sais pas faire ». Et on les mettait dans un jeu sérieux, donc c'est des travaux au Canada, on les mettait dans un jeu sérieux, et on voit en fait que dans le jeu sérieux, ils doivent avec leurs mains piloter un avion qui doit éviter des immeubles, et on se rend compte que quand ils jouent, leurs mains, elles montent, et leur bras, il est capable de monter, parce qu'ils oublient en fait la contrainte, ils sont en train de jouer. Et quand on les filme et qu'on leur montre après, ils disent « non, c'est pas moi, je sais pas faire ça ». Donc on arrive à dépasser en fait les limites que des fois ils se fixent eux-mêmes en fait. Ouais, c'est vraiment ça, c'est une vraie révolution pour le coup. En tout cas pour ce domaine-là. En un mot, pour terminer, chacun d'entre vous, on va répondre à la question. Est-ce que la réalité virtuelle, c'est vraiment l'avenir de l'entraînement du sportif et notamment du sportif de haut niveau? Je pense qu'effectivement, ces nouvelles représentations 3D là, permettent d'aborder sous un angle différent. Donc moi, je pense qu'effectivement, elles sont bien reçues par les entraîneurs. Il y a une acculturation à faire effectivement pour qu'ils s'y habituent, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est peut-être un problème de moyens aussi, parce qu'il va falloir financer tout ça, j'imagine. Alors oui, donc c'est effectivement les enjeux de rapprochement entre la recherche et le sport là, qui sont soutenus par notre gouvernement, qui vont dans le bon sens, qui effectivement permettent d'apporter les équipements qu'il faut pour aborder ces nouvelles technologies et puis et les mettre à disposition. Et l'enjeu, c'est qu'au bout d'un moment, on disparaisse, en fait, je pense. C'est qu'ils puissent. Vous ne le souhaitez pas quand même, vous trouverez d'autres terrains d'expertise. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que les sportifs, en fait, puissent se servir de ces moyens technologiques sans avoir besoin du chercheur, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'espère qu'effectivement l'avenir s'écrira, quoi, pour la réalité virtuelle. Antoine Maurice, à vous.
c'est déjà le présent, la réalité virtuelle, pour certains sportifs de haut niveau, mais... On n'a pas l'impression, hein, mais en vous entendant, on voit que c'est effectivement déjà très, très développé. Sauf que c'est sous-exploité. Il y a plein de travaux en réalité virtuelle dont on a parlé, qui abordent les aspects énergétiques, les aspects sociaux, les aspects perceptifs et moteurs, qui vont pouvoir alimenter dans le futur des programmes d'entraînement. Et puis, tout ça, c'est aussi porté par une technologie qui est de moins en moins chère, de plus en plus performante, qui permet d'avoir des dispositifs de réalité virtuelle qui sont légers, voire des dispositifs de réalité augmentée qui seront performants également. Franck Multon, c'est le terrain de jeu favori des startups, hein, j'imagine, maintenant, cette réalité virtuelle pour le sportif. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui parient sur ce business-là et qui développent des technologies, qui développent des serious games, etc. Il faut juste être vigilant à ce que l'on fait avec la réalité virtuelle soit effectivement transférable sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des travaux où on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et je pense que, alors justement, on a un petit peu de terrain de jeu encore en tant que chercheur pour mieux comprendre ça, mieux caractériser ça et guider les entreprises aussi dans les choix technologiques qu'ils mettent en place et les technologies qu'ils mettent en place pour que ça soit un maximum. Et ne pas oublier aussi qu'il va falloir former les gens, puisque là, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très peu appris dans les centres de formation. Et donc, il y a un transfert de compétences à faire pour qu'on n'ait plus besoin de nous. Effectivement, et c'est le but de ce salon Sport Unlimited, que tous ces gens se rencontrent, les sportifs, les anciens sportifs, les start-up et les chercheurs. Merci en tous les cas de nous avoir donné une leçon de science. Moi, j'ai appris plein de choses avec vous. Merci en tout cas d'avoir été là pour nous parler de cette réalité virtuelle de plus en plus présente, notamment pour l'entraînement.